Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de décembre parce qu'on est quand même le 7 janvier, donc je ne l'ai toujours pas fait. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, plein de santé, de découvertes libresques. Alors, on va déjà commencer par... ça c'était un cadeau. On va commencer par mes achats. Donc... j'ai été à France Loisirs pour France Loisirs, hein, voilà. Si vous connaissez France Loisirs, tous les trimestres je crois il faut choisir un livre. Donc moi j'ai pris Il était une fois à Québec de Michel Langlois. Voilà, donc dans ce livre on va rencontrer Olivia qui rencontre Hubert, un bossu, tous les opposent mais l'amour. Voilà pour celui-ci. Avec mes points, parce que j'ai des points, n'est-ce pas? Si on achète beaucoup de livres, on a des points avec France Loisirs. Et donc, on a le droit à un livre gratuit. J'ai pris la collection de Les héritiers de Sœur Chat de Nora Roberts. Donc, c'est un petit coffret qui se présente comme ceci, voilà. Dedans, il y a les trois bouquins. Voilà. Donc là, c'est une saga familiale, hein, de Nora Roberts. Comme elle les aime bien. Ensuite, eh bien, j'ai fait comme tout le monde. J'ai craqué sur la collection Harlequin en hardback. Donc je me suis pris L'amour sous les flocons de Stella McLean. Voilà, que je vais pouvoir lire. Une maman pour Noël de Nora Roberts. La magie d'une rencontre de Suzanne Wicks. Voilà, bon, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Tout le monde les a vus passer, n'est-ce pas? J'ai pris Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Brontë, toujours aux éditions Harlequin. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Donc, avec ma copine Émilie, on s'est fait un petit calendrier de l'Avent cette année. Et j'ai eu la joie d'avoir deux livres. Donc j'ai eu Abigail, Messagère des anges, le tome 6 de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions France Loisirs, le dernier tome. J'ai eu A Little Princess de Frances O'John Burnett aux éditions, par contre je ne sais pas trop, Puffin in Bloom peut-être, voilà, qui est un hardback, hein. Voilà, très joli, voilà, parfois des illustrations, n'est-ce pas? Voilà, c'est mon premier livre anglais. Non, c'est pas vrai, j'ai la collection Harry Potter, mais voilà, autre qu'Harry Potter. Pour Noël, pour continuer ma série, j'ai eu Minuit, tome 4, Le tombeau de minuit de Lara Adriane. Alors, celui-ci, je l'ai déjà lu, hein, parce que j'en suis déjà au tome 12, je crois. Mais je les ai prêtés, on ne me les a jamais rendus, donc j'essaye de récupérer toutes mes collections. Donc le tome 2, Frozen, La Cité Rouge de Mélissa Delacruz et Michael Johnson aux éditions Albin Michel. Donc ça c'est le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 qui doit être caché par là d'ailleurs. Je l'ai vu tout à l'heure. Parce que Mélissa Delacruz, elle est là. Elle est là-haut. Ah non, ben elle est là-haut, là-bas, vous ne le verrez pas. Caché. Ensuite, j'ai eu le tome 1. De La Maison de la Nuit marquée de PC Cast et Christine Cast. Voilà, celui-ci, je l'ai déjà lu, j'ai plus qu'à le ranger dans la bibliothèque, n'est-ce pas? Et j'ai eu The Curse de Marie Rutkowski, voilà, aux éditions Lumen. Donc celui-ci, par contre, je ne l'ai pas lu, donc je vais pouvoir le lire. Donc voilà, j'ai eu 14 livres, bon, la moitié en cadeau pour Noël. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à les lire, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse, à bientôt!